Devinez où je suis. Je suis à Londres. Je suis trop contente, je suis arrivée hier après-midi. Je suis dans ma maison, vous aurez très prochainement un room tour. Et là les gars, c'est la dernière ligne droite. C'est le dernier mois de cours de ma vie. Après, les études c'est terminé. Donc je compte bien profiter de Londres. J'ai déjà prévu des trucs trop cool aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Je commence mes cours demain. Donc je vais sortir dans le centre de Londres parce que là je suis un peu sur une extrémité étant donné que les logements à Londres c'est hyper cher. Et puis pour un mois, clairement, on ne trouve rien parce que c'est que des locations longue durée. Donc je loge chez une amie, des amis de mes parents. Donc franchement, c'est trop bien. J'ai une chambre immense et il y a un golden retriever ici. Donc trop mimi. Bref, j'ai terminé de vous raconter ma life. Là, je vais aller me préparer à manger et ensuite, je vais prendre le métro pour aller à Regent Street. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Ça fait un an que je suis pas venue à Londres. Et j'adore cette ville, vraiment. Je pense que c'est une de mes villes préférées. Gros coup de cœur sur Londres, donc j'ai trop hâte de retourner dans plein d'endroits trop cool. Bref, pour cette première vidéo à Londres, je vous emmène avec moi dans la ville. On va tout vlogger et ça va être trop cool. Je vous spoil un peu le room tour de l'appart. Là, je suis en train de me préparer à manger, évidemment, des avocats de toast avec des œufs sur le plat. Coucou, toi. Coucou. T'es un chien anglais, je dois te parler anglais. Dis coucou à la caméra. Wow. Elle, c'est Hannah, ma nouvelle meilleure amie pour ce mois. Et je suis trop contente parce qu'il fait hyper beau aujourd'hui. Il n'y a aucun nuage, quasi. Donc vraiment trop contente. Le jardin est très mimi aussi. Mou, elle ramène son joujou. Trop mimi. Bref, du coup, là, je mange. Je pense que je vais me changer aussi parce que je suis en pull. Mais je crois qu'il fait 20 degrés avec du soleil, donc ça va pas le faire. Je mange et ensuite je prends le métro, mais il faut que je me dépêche en fait. Parce que j'arrête pas de repousser, etc., de prendre mon temps. Mais au final, je vais sortir, il va être 17h. Bref, je vais manger. Thank you, Hannah. Come this way, Hannah. Thank you. Good girl. Give me the toy. Hannah, can I come here? Je suis hyper blanche, c'est horrible, c'est parce que je suis fatiguée. Bref, j'ai passé une trop bonne journée. Franchement, pour un premier jour, ça
ça fait plaisir. Il a fait beau toute l'après-midi, il a fait super chaud, donc j'ai pu me balader avec une copine. On a fait tout Regent Street, Oxford Street, Piccadilly Circus, Buckingham, Trafalgar Square, vraiment tout ce quartier-là, donc c'était trop bien. Ça m'avait tellement, tellement, tellement manqué d'être à Londres, parce que finalement ça fait quasi un an que je suis pas venue. Et franchement, faut vraiment que je vienne plus souvent, parce que c'est hyper bizarre, mais c'est une ville qui m'apaise. Genre vraiment, je ne suis pas stressée quand je suis dans cette ville, alors que je pense que je suis une des personnes les plus stressées du monde. Mais quand je suis à Londres, je suis trop bien. Donc bref, ce sera mon excuse pour venir à Londres. Demain, j'ai ma première journée de cours. J'ai tellement, tellement, tellement pas envie. En fait, si vous avez un peu suivi mes vidéos, ça fait un mois que je ne fais plus rien. On avait juste un projet de groupe, mais c'était que du online. Et franchement, c'était pas compliqué. Donc clairement, j'étais en vacances. Et là, je reprends pour seulement un mois. Et c'est le dernier mois de toute ma vie. Donc autant vous dire que j'ai aucune envie de faire les cours. J'ai juste la flemme. J'aurais préféré être en vacances à Londres. Franchement, ça me serait très bien allé. Pourtant, les cours ont l'air hyper, hyper, hyper intéressants. Mais juste, c'est pas le bon timing en fait. Mais bref, de toute façon, c'est qu'un mois. Donc ça va passer super vite. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ça passe vite parce que j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie de quitter Londres. J'ai vraiment trop d'attachement pour cette ville, c'est un truc de dingue. Et là, je vous montre, je me suis préparé un petit thé pour ce soir. J'ai vraiment fait un thé à l'anglaise, j'ai mis un peu de lait, etc. Alors que chez moi, je ne mets pas du tout de lait. Et là, c'est du vrai thé anglais, c'est pas un thé acheté chez Carrefour, quoi. Mais je vous jure que le thé anglais, c'est vraiment pas la même chose que le thé qu'on connaît. C'est tellement meilleur, je suis obligée d'en ramener. Je vais essayer de trouver une petite boutique de thé hyper authentique, hyper british. Et on va se ramener le meilleur thé de Londres. Donc bref, je pense que je vais passer une bonne soirée. Je sais pas si je fais du montage ou si je lis. Ou si je fais les deux. Et d'un autre côté, faut pas que je me couche trop tard. Parce que demain, c'est la rentrée. Bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié ce premier petit vlog à Londres. En tout cas, je suis trop trop contente. Vraiment, ça va être un mois incroyable. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des brunchs, des cafés, des restos à me recommander ou même des endroits à me recommander tout simplement. J'ai trop envie de tester plein 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 de trucs. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires. Et s'il y en a certains d'entre vous qui sont à Londres en ce moment, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on se cale un petit café, une petite balade dans Londres. Ce serait avec grand plaisir. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vais boire mon thé, je vais faire du montage, je vais lire, je sais pas trop. Mais je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.